Jésus alla à Nazareth, le village de son enfance. Bonjour. Bonjour. Le jour du culte, il entra à la synagogue, selon son habitude. On lui demanda de lire un passage du livre du prophète Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'envoie proclamer la délivrance aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles, pour donner la liberté aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Il parle bien. Aujourd'hui, cette parole devient réalité, alors que vous l'entendez. La parole s'accomplit. Mais il n'y a que le Messie qui puisse la réaliser. Comment le savoir? Vous me citerez sans doute ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Vous me direz aussi, accomplis dans ta propre ville ce que tu as fait à Capernaum. Oui, je vous le dis, nul prophète n'est bien reçu dans son pays. Par ces paroles, Jésus s'identifie à lui-même comme le Messie. Envoyé par le Seigneur pour sauver son peuple, ces Juifs ne l'acceptaient pas comme le Messie. Ils voulurent le précipiter du haut d'une falaise, mais il passa au milieu de la foule et s'en alla.